acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Nous demande d'insister sur pour briser les envoûtements. On has to break the bewitchments. On voulait s'attaquer aux idoles. You wanted to pray against idols. Mais le Seigneur veut qu'on frappe encore. Want to fight again. Parce qu'en fait, l'envoûtement, c'est la principale activité de la sorcellerie. Les enfants d'Israël avaient effrayé les Moabites par leur présence. By their presence. Et leur roi a envoyé quelqu'un appelé un devin. And the king was about to call a diviner, appelé Balaam, which is called Balaam, dans le but, for the purpose, de l'amener à maudire Israël, to make him curse Israel. Il disait, maudis-moi ce peuple. He said, curse that people. Afin que je le batte. For me to fight him. Il avait peur que les enfants d'Israël ne les détruisent et n'arrachent le pays. He was afraid for the children of Israel to fight him and take the land from him. Et il utilisait ce qu'on appelle les enchantements. And he used what he called enchantment. L'enchantement, c'est l'art. Enchantment is the art. D'ensorceler, d'envoûter par des paroles, des sons. Or bewitching someone by. Ou des techniques. By words, magiques. By technical, and by dreams. Certains pensent qu'il était un prophète. Non, non, non. Some people believe c'était that un devin was a prophet. No, qui was prophétisait. Et effectivement, c'était un prophète de Satan. It was a prophet of Satan. Il n'était pas un prophète de Dieu. It was not a prophet of God. Donc, il avait des techniques. So he had some techniques. Il avait des paroles. He had some words. Qu'il pouvait prononcer. They can voice. Pour maudire, pour envoûter, pour ensorceler. To curse, to bewitch, and to enchant. Pour amener les hommes à être négligents, à être battus dans to la make guerre. People to be negligent and to be fought. On peut enchanter, même les serpents, ceux qui voient souvent certains documentaires. Even the snakes that you saw in dreams. On peut enchanter un serpent, on peut l'endormir, on peut le charmer, il dort, tu ramasses. You can even enchant one snake and it sleeps and you take it up. Donc il y a des gens. So there are some people. Qu'on a envoûté par des paroles, who have been reached des incantations. By words that are pronounced. Ça, ce sont les œuvres humaines, ou alors these are les œuvres du diable à travers les hommes pervers. Through human beings. Donc, ce soir, so tonight, nous allons détruire we are going to destroy toutes les œuvres du diable all the works of the devil à travers les hommes pervers, through evil men. Les hommes méchants. Through wicked men. Il y a des gens qui sont méchants, ils iront à l'enfer. There are people who are wicked who will go to hell. Le diable les utilise. The devil uses them. Pour pratiquer la sorcellerie. To practice witchcraft. Pour envoûter par enchantement. To bewitch by enchantment. Ils savent qu'ils vont aller à l'enfer. They know that they go to hell. Ils savent qu'ils sont mauvais. They know that they are bad. L'apôtre Paul dit. Apostle said, il demande au frère de prier pour que Dieu le délivre des hommes pervers. He was asking the Holy One to pray for him to deliver from evil men. Il y a des hommes pervers. The evil men. Quand ils te voient, ils veulent que tu meurs. When they see you, they want you to die. Il y a des hommes pervers. The evil men. Il y a des incrédules. There are people who are unbelievers. Et dit, l'apôtre Paul dit de prier pour lui pour the que said, Dieu le délivre des incrédules de la Judée. For people to for God to deliver him from the unbelievers of the Jews.
Donc Balaam a tenté d'envoûter Israël. So Balaam tried to bewitch Israel. Quand il fait ses enchantements, when he does his enchantments, c'est Dieu lui-même qui vient. It's God himself who comes. Il fait ses enchantements. He made his enchantments. C'est Dieu lui-même qui se présente. It's God himself who presents himself. Et Dieu lui dit de ne pas parler en mal contre Israël. And God said, you should not speak in an evil way against the people of Israel. Il a pris toutes les positions pour trouver un moyen. He took all the positions to find a means. Il n'a pas pu. He couldn't do it. Et il a dit au Moabite. And he said to the Moabites. Je n'ai pas pu. I couldn't do it. Amenez-les à vous donner leurs filles. Bring them to give their daughters. Amenez-les à manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, let them eat. Introduisez l'idolâtrie dans leur milieu. Quand tu combats, ne rate aucune règle de jeu. When you fight, don't miss any rule of a game. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lise pour nous. Someone should read for us. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et 5 et 6. Verse 4 and 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. 2 Thessaloniciens 3, 1 et 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 1 et 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. Romains 15, verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Alléluia. Alléluia. Tu vas revenir. You come back. Il y a une précision à faire. There's a precision to be made. C'est très important. Lis pour nous. It's very important. Read for us. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Lis à partir du verset 21. Read from verse 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Lis pour nous Psaume 18. Read for us Psalm 18. Verset 18 et 19. Verse 18 and 19. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen. Écoutez très bien. Listen carefully. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu. There are many people, many children of God. Qui ne comprennent pas who don't understand pourquoi les croyants doivent toujours combattre. Why believers must always fight. Le combat spirituel est une réalité. The spiritual warfare is a reality. Le diable rôde. The devil is turning around.
Si tu réussis à le chasser, if you succeed in by casting him out, il campe quelque part, il attend le jour de ta faiblesse. For the day where you become weak. Pour ceux qui ont bien lu la Bible, for those who read the Bible very well, quand Jésus a vaincu Satan dans le désert, when Jesus overcame the devil in the desert, au jour de la tentation, during the day of temptation, la parole de Dieu dit, il se retira. The word of God pour says, un temps favorable. If he drew himself from a favorable time. Il a compris que ce jour-là, c'était dur. He realized that it was very hard for him. Donc même contre Jésus lui-même, le diable pense qu'il peut revenir. Even against Jesus himself, the devil thinks he can come back. Et s'il l'a fait à ton maître Jésus, if he did it against your master Jesus, il le fait contre toi. He has been doing it for you against Et c'est you. Une erreur car les croyants oublient. A mistake. For believers to forget. Car les croyants oublient que l'ennemi revient souvent vérifier s'il est toujours possible d'attaquer. When the enemy comes to check if it is possible to attack at new. Et c'est ce que David rend comme témoignage. It's what David is giving as testimony. Il m'a surpris. It surprised me. Au jour de la détresse. The day of distress. Et il était plus fort que moi. And he was stronger than me. Il dit, l'Éternel l'a délivré de son ennemi qui était plus puissant que lui. Il l'avait surpris au jour de la détresse. David a battu Goliath. Il y avait déjà dès sa jeunesse. Mais ça n'a pas empêché à l'ennemi de revenir contre lui. Et de l'environner par la destruction et la mort. And to surround him by destroying him through death. Mais l'Éternel a intervenu. But the Lord intervened. Quand? When? Quand il avait crié à lui. When he cried upon him. Il n'a pas dit j'ai battu Goliath, il reste là. He didn't say I fought Goliath and he remained there. Et j'encourage tous ceux qui font le brisement des liens. And encourage all people who go through the breaking of evil ties. Si un frère te dit mille fois brise encore mes liens, brise mille fois. If I tell you break my ties 10,000 times, do it 10,000 times. Ne sois pas ignorant du combat spirituel. Do not be ignorant of the spiritual warfare. Même si on te critique. Even you are criticized. Que tu passes le temps à délivrer les gens, délivre-les au jour du jugement. Quand tu auras la couronne sur la tête, you have a crown around your head. Jésus de Nazareth va te récompenser. The Jesus of Nazareth will reward you. Et ne menace aucun frère. And do not threaten any brother. Qui demande qu'on prie encore pour lui. Who asks to be prayed for again. Il ne faut pas qu'il tremble avant de te dire. C'est un sacerdoce. It's a sacerdoce. On doit le faire avec action de grâce. You must do it with praise. Acclamez pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Hallelujah. Le diable revient. The devil comes back. Et Jésus enseigne que s'il réussit à revenir, if he succeeds in coming back, il devient plus 7. He becomes 7. For 7. Times 7. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parfois, un jour, je relisais la Bible, le Seigneur m'a fait comprendre que je disais souvent fois 7. Le Seigneur m'a dit non, ne dis pas fois 7. Il revient. 7 plus celui qui était là, ça fait 8. It became 7 plus the one who was there, the one became 8. Parce qu'il était là. Because he was there. Quand il vérifie si tu es toujours dedans. We check if you're always at the right position. S'il voit qu'il y a un peu de tristesse, un peu d'amertume, un peu de découragement. Discouragement. Oui, un peu de découragement. A bit of discouragement. Un peu de soucis parce que les soucis, because the worries, les soucis, les inquiétudes. Affaiblissent spirituellement. Make you become weak spiritually. Il y a des gens qui n'ont commis aucun péché. Some people do not have any sin. Mais qui sont dans la même condition spirituelle que they les ivrognes. They are always in the spiritual, same spiritual condition with drunkards. Ils sont dans la même condition spirituelle que les ivrognes et les gloutons. They are in the same spiritual condition with the drunkards and good people. Et Jésus a dit. And Jesus said, prenez garde.
Take care. De crainte que vous ne soyez apesantis par les excès de manger et de boire so et par les soucis de la vie. You don't be overloaded by the people of drinking, eating, and by the worries of life. Tu as les soucis. Your worries. Tu seras apesanti. Apesanti veut dire que tu deviens lourd. You be overloaded. It means that you become. Tu ne peux plus agir spontanément. You cannot act spontaneously. Et tu es comme un soulard et you are un like glouton. A drunkard. Toi qui ne manges pas, tu ne bois pas, tu deviens lourd comme ceux qui passent le temps à manger et à boire. As if you are given to eat and drink. C'est pour cette raison qu'on dit. This is the reason. Bannis la crainte. Bannis fear. Et tu deviendras léger. Tu deviendras léger. And you become light. Pour engager la bataille. To start the battle. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu brises les liens. Si quelqu'un te dit que parce que le sorcier qui t'a envoûté là, il te voit. Quand tu reprends la prospérité, when you start being prosper, il commence à chercher le jour de ta faiblesse pour revenir. The day of the weakness to come back. S'il revient, if he comes back, il faut des vaillants pour le déloger. You mighty men to cast him out. Je réprimande souvent mes amis de la délivrance quand on me fait rapport que quelqu'un voulait la délivrance et ils lui ont dit non, va, tu es déjà délivré. Jésus a prié pour quelqu'un. Jesus prayed for someone. Il lui demande, est-ce que tu vois déjà? He said, are you seeing now? Il a dit à Jésus, non, je vois les hommes comme les arbres. He said, no, I'm seeing men like trees. Jésus a prié encore pour lui. He said, pray again for him. Il a regardé fixement, il l'a vu clair. He fixed him and saw clearly. Hallelujah. Hallelujah. Ne soyons pas ces mauvais bergers. Don't be bad shepherds. Quelqu'un te dit, je ne vois pas encore clair, je vois les hommes comme les arbres. Tu dis, va rendre grâce à Dieu. So go and give thanks to God. Non. No. Il faut appliquer. You must pray. Il faut bombarder. You must pray again. Jusqu'à ce que toute l'armée de Satan soit disloquée. Until the army of Satan is dispersed. Vous écoutez les témoignages ici? You listen to testimony here. C'est des gens sont délivrés. Quand ils sont délivrés, ils sont heureux. Ils sont joyeux. When they are delivered, they are happy. Prions pour les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent joyeux. Until they become happy. Même s'il faut prier pour un frère 100 fois, 200 even fois, 1000 fois. 100 times, dans les semeurs, il faut qu'il y ait des ministres pour les semeurs consacrés. That's what I mean, of the soul. Faut pas qu'il y ait un seul frère qui chante et puis vous êtes là. Certains sont oppressés et puis ils viennent chanter. Hallelujah. La sœur Colette m'a rendu témoignage. Ils étaient. Viens parler du livre, le livre que vous avez étudié. Qu'est-ce que le livre dit? Talk about the book that you study. Pour ceux qui ont écouté les nouvelles hier. Tu es délivré ce soir, frère. You be delivered tonight, brother. Et s'il y a un ministre de délivrance qui a maltraité les âmes, tu te repens au nom de Jésus. Et puis tu serres ta ceinture parce qu'il y aura beaucoup. Il y aura du travail nuit et jour. Because you have work. Night and day. Et Jésus va te récompenser. And he will reward you. Tu auras ta part avec les grands. You have your part with the great men. Jésus a dit, Jesus said, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. My father sent me, I also send you. Ton maître prie pour les gens plusieurs fois pour qu'ils soient complètement délivrés. We are completely delivered. Et toi tu fais ce que tu fais là. And you do what you are doing. Oui, qu'est-ce que là? Let's talk about the book. Non, dis juste un peu. Tu n'as pas beaucoup de temps. Dis ce que le livre dit. Don't have much time. Just tell about the book. Gloire à Dieu. Amen. Il s'agit bel et bien du livre La centralité de la prière, écrit par le frère Isaac. Nous étions au cours des ministres de prière de 21 jours et on a l'habitude de lire. De choisir un livre qu'on lit entièrement du début à la fin. Et c'est ce livre-là qu'on devait lire cette fois-ci. Et grande a été ma joie et ma consolation de découvrir dans le livre que j'avais déjà lu auparavant, de découvrir une prière que le frère Zach a élevée. Il a élevé deux prières. L'une des prières était « Seigneur, je crie que les dirigeants, les missionnaires,
les anciens, les faiseurs de disciples. Et toute la communauté missionnaire chrétienne internationale commence à rendre ministère aux brebis, les délivrant, les sauvant, en tout cas sauvant, délivrant, guérissant. Qu'il n'y ait pas quelqu'un à qui on ne rende pas ministère. Gloire à Dieu. Et la deuxième prière, le deuxième vœu de son cœur était le cri de mon cœur. Et puis ce jour-là arrivait tôt, ce jour où la communauté missionnaire chrétienne internationale sera appelée ministère de guérison. Donc quand j'ai vu ces, quand j'ai relu ces passages-là, j'ai dû appeler le pasteur pour l'encourager. Alléluia. Pour l'encourager à persévérer. Parce que voici des textes qui viennent encore justifier le travail qu'on fait. Gloire à Dieu. Prions d'abord une minute. Si quelqu'un, les dirigeants qui ont négligé les âmes, les préparez-vous d'abord. For leaders who neglect souls, repent before. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai déjà enseigné ça, mais j'insiste. Si tu pries pour quelqu'un, if you pray for someone, si tu dis que je vois les hommes comme les âmes, if I see, men like trees, ce qui veut dire que c'est bon, mais les ça, is good, but c'est encore là. Tu continues. You're always there. You continue. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. You are not serving a man, you are serving ce God. Ce n'est pas un concours de compétences. It's not a test of competence. Ce n'est pas toi qui guéris. You are the one who heals. C'est Jésus. It's Jesus. Toi, tu dois seulement intercéder. You are to intercede. Et comme tes yeux ont déjà vu des gens authentiquement délivrés, and your eyes have seen people authentically delivered, tu n'as pas de raison pour te pour organiser un festival avec des gens, a festival with people avec des gens à moitié délivrés. Who are half delivered. Mes yeux, frères, ont déjà vu la gloire de Dieu. My eyes, brother, have seen the glory of God already. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, il y a des gens qui disent, précipiter là toujours, on ravait toujours. Est-ce que tu as lu la Bible? Are always overthrown. Did you read the book? Est-ce que tu sais que Jésus a dit que quand on chasse un esprit, you know, said, il va et il revient. Tu as lu ça. He goes out and come back. Did you read this? Maintenant, s'il réussit à occuper un territoire, tu But fais if comment? If he succeeds in occupying a land, what are you going to do? Tu laisses. You leave it. C'est comme les mondains, il y a des visas là, on dit entrée unique. As a unique folk. C'est-à-dire, il y a des visas, on te donne, tu entres une fois, tu n'entres plus la deuxième fois. Jésus nous a donné son pouvoir. He gave us his power. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pourquoi on ne fait que prêcher l'évangile, on ne fait qu'enseigner? Un enseignement suffit pour que tout le monde soit sanctifié. Mais pourquoi chaque fois il faut venir te bombarder encore? Parce que même ton esprit a besoin de la flamme tous les jours. Need flame every day. Et c'est la parole qui donne cette flamme là. Is it the word of God which gives this flame? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les dons sont là. Quand Dieu donne, il ne reprend plus. When a gift is given, God does not take them back again. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. The gift and the call of God are irrevocable. Prie pour ton frère qui est à côté de toi. Ne le touche pas. Dis, Seigneur, bénisse. Pray for your neighbor who is near you. Don't touch him. Résous son problème. Say, God, solve his problem. Ne te contente pas d'une vision floue. Don't you have a free vision? Les choses doivent être claires. Things must be clear. Tu dois voir les hommes nettement. Must see people clearly. Dis amen. Say amen. Là, ça n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Si tu as la foi, c'est déjà words. Fait. If you have faith, it's okay. Dis amen. Say amen.
Ce que nous devons faire, c'est quoi? What you must do is this. Si Balaam m'a parlé, if Balaam spoke, toi si tu parles, you also speak. S'il a dit je te maudis, toi quand tu viens, tu dis je te bénis. If Balaam said I curse you, you ça détruit pour lui. It destroys. Ce que vous devez aussi savoir, what you must know is, c'est que pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, to make them out of Egypt, Dieu a combattu, Moïse a combattu. Dieu a utilisé Moïse pour combattre à l'intérieur de l'Égypte. Pour juger les serviteurs de Pharaon. To judge the servant of Pharaoh. Et juger leur faux dieu. And to judge their false gods. Toutes leurs divinités étaient humiliées. All their divinities were humiliated. Tout ce que Moïse commandait se réalisait, que ce soit dans l'eau, dans le soleil, dans la lune, partout. By moon, by the earth. Everywhere. Dans le palais, sur le lit de Pharaon. Even was speaking on the bed of Pharaoh. S'il dit que c'est les poux partout, les grenouilles, les grenouilles. It's inside everywhere. Les magiciens. The magicians. Ont dit à Pharaon. Told Pharaoh. C'est le doigt de Dieu. It's the hand of God. Ils n'ont pas fait d'autres commentaires. He didn't make any comments. C'est le doigt de Dieu. It's the hand of God. Et les serviteurs de Pharaon. And the servant of Pharaoh ont rassemblé leur courage. And gathered their strength. Ils ont dit, jusqu'à quand tarderas-tu de libérer ces gens? Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Don't you know that you are perishing? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et ils sont sortis. And they came out. Il y a eu le combat après la sortie. And they had a fight. Au bord de la mer Rouge, il y a eu un combat. Into the Red Sea. And we had a fight. Est-ce que quand il y a le combat au bord de la mer Rouge, on doit se demander, mais when you had a fight, on a combattu en Égypte, on doit encore combattre au bord de la mer Rouge. And why you fought in Egypt? Why are we going to fight at the border of the Red Sea? Devait-il combattre au bord de la mer Rouge ou pas? He said, tomorrow are you going to fight at the border of the Red Sea or not? Ils devaient. They were to fight. Et puis ils ont traversé la mer Rouge. And they crossed the Red Sea. Dans le désert. In the desert. Il y a eu le combat. There were fights. Devait-il combattre dans le désert ou pas? Were they fight in the desert or not? Ils devaient. They were to fight. Au bord du Jourdain, il y a at eu un combat. At the border of the Jordan, there was a ils fight. Ils sont entrés dans la terre promise. They entered the il promised land. Il y a eu des combats pour posséder l'héritage. There were fights to take the land that was promised. Et après avoir possédé l'héritage, il y a eu des combats pour after le garder. After possessing the land, there were fights to keep it. Donc. So, il y aura toujours bataille. They will always have a battle. L'an prochain, il y aura le renversement des principautés. Next year, we are going to be throwing of principalities. Et vous voyez que Dieu lui nous déplace d'un champ de bataille à un autre. God is moving him from a battlefield from another battlefield. Et il y a eu une année où on a renversé la divinité des marées de nuit. Il y a beaucoup de batailles. Mais on n'arrête pas de bombarder. And we are continuing fighting. Parce que certains ont négligé because et le mari de nous est revenu se coucher à côté. And the enemy came and sleep beside them. Est-ce qu'il faut tuer un frère parce qu'il a été négligent et qu'un démon est venu se coucher should à côté? Should kill a brother because he had been negligent and devil come and sleep il faut near fortifier him. Le frère. You should strengthen the brother. Et déloger le démon. And cast out the demon. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y aura toujours l'université mondiale, la prière du jeûne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Until Jesus comes. Ne pense pas que tu connais déjà le monde. Le monde étudie comment résister. How to go forward. Jésus n'a même pas encore fini avec les guerres. Jesus has not even finished with the wars. Il revient. He comes back. La Bible dit, the Bible says, il revient pour poser son pied sur le mont des Oliviers. At the Mount of Olivier. Afin que tout œil le voie, même ceux qui l'ont percé. So that every eye you see, even those who pierce him. C'est là où le diable va dire à tous ses hommes. Where the devil says to all his men. De venir combattre. To come and fight. Qu'il ne faut pas que le pied du Fils de Dieu touche à cette montagne. To prevent the foot of the Son of God. Et ça sera la dernière bataille. It's going to be the last battle. Toutes les prophéties l'ont annoncé. All the prophecies announce it. La guerre d'Armageddon.
The war of Armageddon. Mais le pied du Seigneur va se poser sur le mont de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Et un feu descendra du ciel. Tomber sur les impies. And so fall down on the saints. Et ce feu ne s'éteindra plus jamais. And these people will never rise again. C'est dedans qu'on va jeter la bête, le faux prophète, et this tous les démons, et tous ceux qui vont refuser l'évangile. And all they will refuse the gospel. Et tous les sorciers qui persécutent l'église seront jetés dans le lac de feu. You'll be fed down in the lake of fire. Et il y aura grincement des dents là-bas. La douleur sera grande. The pain will be great. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais. It is a fire without no quench. Là-bas, anymore. On cherchera la mort et la over mort ne sera look plus. For death and death will not come. La mort ne sera plus. And the death will no more be. Jésus l'aura déjà anéanti pour l'éternité. Jesus will at that time kill death for eternity. Même la parole de Dieu dit que même les vers qui even sont dans le corps des hommes ne vont pas mourir. Which are in the body of men will not die. Tu es dans le feu. You are in the fire. Et tu as le mal que tu avais. And you had the pain that you had. Si tu avais le ténia reste en you toi. Ténia, et tu es dans le feu. You are the ténia, you'll be there, but in the fire. Tous les démons savent ça. All the demons know that. C'est pour cette raison qu'ils se débrouillent. This is the reason why they are même trying. Étant vaincus, eux-mêmes qui sont déjà vaincus là, ils se débrouillent. Know that they are vegan, they are trying again. Et toi qui es vivant, and you are alive, pourquoi n'agirais-tu pas? Why don't you act? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc tiens-toi debout. So stand up. Tu n'as pas encore fini le travail. You have never finished the battle yet. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dit Jésus a dit. Saint Jesus said. Je vous ai donné mon pouvoir. I gave you my power. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. You walk over scorpions and snakes. Et sur toute la puissance de l'ennemi. You know, all the might of the enemy. Rien ne pourra vous nuire. Dis, je parle contre toute parole. Sir, I speak against every word. Qui a été prononcée contre moi. That has pronounced against me. Sur la terre des hommes. On this earth of men. Dans les eaux. In waters, sous les eaux, under the waters, sur la terre, on earth, sous la terre, under the earth, dans les abîmes, in the abyss, toute parole, every word, qui a été prononcée contre moi, which has been pronounced against me, par les hommes méchants et pervers, by wicked men and evil men, par des incrédules, by unbelievers, je proclame, I proclaim que cette parole est bannie. That is why it banished. Elle est jugée. Judged. Elle est anéantie. It is et destroyed. Que toutes les puissances du mal, all the power of tous of les evil, démons qui l'accompagnaient, all the demons that by him sont bannis. Are banished. Sont enchaînés, bannis. Enchaînés et bannis. Jusqu'au retour de Christ. Until Jesus comes back. Jusqu'au retour de Christ. Until Jesus comes back. Dis, je parle. So I speak. Contre toute parole d'homme. Against any word of man. Qui a été prononcée contre moi. That has been pronounced against me. Dans le monde physique. In the physical world. Comme dans le monde spirituel. Like in the spiritual world. Je la détruis. I destroy it. Je la bannis. I banish it. Et je lis la langue qu'il a prononcée. Car il est écrit que toute langue qui se liguera contre toi en jugement, tu la lieras. Tu la jugeras. You judge. Et je juge toute langue qui a procédé par incantation. You proceed by incantation. Pour prononcer des enchantements contre moi. To pronounce enchantment against me. Je les ruine. I ruin them. Je les écrase. I crush them. Et je renverse. And I
overthrow. Tout ce qui a été bâti par ces paroles. All that I've built by these words. Je renverse. I overthrow. Tout ce qui a été bâti par ces paroles. All that I've built by these words. J'arrache. I take it away. Tout ce qui a été bâti par ces paroles. All that I've built by these words. Je détruis. I destroy. Tout ce qui a été bâti par ces paroles. All that I've built by these words. J'abats. Tout ce qui a été planté par ces paroles. All that I've planted by these words. Je balaye tout. Je précipite dans le néant. Je proclame la vie pour mon corps. I proclaim life for my body. Je proclame la vie pour mon âme. I proclaim life for my soul. Je proclame la vie pour mon esprit. I proclaim life for my spirit. Je dis à mon âme. I tell my soul. Ne t'inquiète pas. Don't be afraid. Espère en l'Éternel. Rejoice in the Lord. Prie en langue. La prie en tongue. Shukuru bakasaka barakasaka guru bakasita kabakasara ada barakasita kubarakasira uri bakasaba bakabakasara uri bakabakashire bakalabaka uri bakabakashire bakalabaka uri bakabakashire bakalabaka uri bakabakashire bakalabaka go barakasaba kasika rada ramashiti wala uri bakabakasaba bakabakashire bakalabaka uri bakabakashire. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, que toute personne malade dans cette salle. Every sick person in this hall, à cause d'un envoûtement. Because of any enchantment, à cause d'un ensorcellement. Because of enchantment, à cause d'un enchantement. Because of any enchantment, que cette personne soit guérie au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Que ce mal soit détruit. Détruit. Arraché de son corps. Jeté dans les abîmes. Prie en langue. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Que tout homme. Any man, ou toute femme. Or any woman, stérile par enchantement. By enchantment, soit guéri au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ, nous brisons. You break. Tout enchantement qui a créé la stérilité. That caused this stérilité. Nous brisons. You break. Tout enchantement. Qui a créé la stérilité. That created stérilité. Prions en langue. Lève ta main droite. Et au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Que toute personne. That any person. Pauvre. Poor. Misérable. Miserable. Dans cette salle maintenant présentement. Now. Dans ce lieu, il faut dire ce lieu. In this place. Pauvre. Poor. Misérable. Miserable. Par enchantement ou par enchantement. Ou par ensorcellement. Par enchantement. By witchcraft. Nous bannissons ses œuvres. Nous libérons sa prospérité. Nous frayons le chemin devant lui. Prie en langue. Vamos a hacer la vaga.
Lève ta main droite. Bring your right hand. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toute personne. That any person. Qui rencontre l'adversité, les obstacles, le rejet des hommes. Who meet obstacles, the rejection of men. Adversité, obstacle et rejet. À cause des enchantements, de des enfoutements, nous brisons tout cela. Tout ce qui a été fait par les hommes, toute œuvre humaine qui a placé quelqu'un se trouvant dans cette salle, dans ce lieu, dans la honte, l'opprobre, la honte, la misère, le rejet, le rejet. Nous le délivrons. Nous frayons le chemin devant lui. Frayons le chemin devant lui. Nous le restaurons dans la grâce de Dieu. Et dans la faveur des hommes. Prions Alain. Lève ta main droite. Bring your right hand. Dis, nous ramenons à la vie. You bring back to life. Nous ramenons chacun à ses lieux élevés. You bring anyone to the higher places. Nous détruisons toute incantation. Incantation. Toute parole d'enchantement. Any word of enchantment. Qui a créé l'égarement des esprits. We create the loss of spirits. Qui a fait que beaucoup rêvent, qui cherchent le chemin, ne trouvent plus. You know, many people even who find a way, see the way to not find it again. Nous bannissons. We banish it. Tout cet envoûtement. Obviously, nous libérons les esprits. We set them free. Nous libérons les âmes. We liberate souls. Nous libérons les esprits. We set them free. Nous libérons les âmes. Nous libérons les corps. De toute œuvre d'enchantement. De toute œuvre d'ensorcellement. Et nous bénissons toute personne se trouvant dans ce lieu. Avec une liberté dans l'esprit. Des esprits connectés. Pour recevoir les révélations de Dieu. Nous les sortons des brousses. Nous les sortons des cercueils. Nous sortons des tombes. Nous les sortons des déserts spirituels. Nous les sortons des séjours des morts. Nous brisons les chaînes. Nous brisons toutes les chaînes dans les abîmes. Nous cassons toute forme de prison. Nous brisons les murs de séparation. Nous les renversons. Tous ceux qui sont dans les ventres des monstres spirituels, nous fendons les ventres. Nous libérons les captifs. Dis Père, combat pour nous dans les lieux célestes. Combat sur la terre. Combat dans les eaux. Combat même sur l'eau. Et combat sous l'eau. Combat sur la terre. Et combat sous la terre. Combat dans les forteresses. Démolis toute forteresse. Poursuis l'ennemi. Dans ses derniers retranchements. Même sous les grottes. Que ton feu les poursuive. Oh, libère ton peuple. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Père, que personne ne soit confus parmi ceux qui invoquent ton nom. Maintenant, prie pour ceux qui ne sont pas ici. Du Seigneur, visite dans les maisons. Agis au nord. Agis au sud.
south. Agis à l'est. Agis à l'ouest. Agis au centre. Dis Seigneur. Visite les nations. Visit the nations. Exauce à toute personne. Qui s'est t'associer à nous pour crier à toi. Exauce, exauce, exauce. Exauce. Glorifie-toi, glorifie-toi. Glorifie-toi, glorifie-toi. Dis au nom de Jésus, je détruis toute malédiction liée à mon nom. Je me sépare de tous ceux qui ont porté le même nom que moi. Je me sépare de ceux qui sont encore vivants. Je me sépare, esprit à mes corps, de ceux qui sont morts. Je proclame que ce nom ne sera plus associé à la malédiction. Je proclame que ce nom ne sera plus jamais associé à la malédiction. Prions en langue, Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Dans tout enchantement. In enchantment. Qui a condamné les gens au chômage. That condemn people to jobless. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toute personne. That every person. Qui vit dans le chômage. We are jobless. Par la puissance d'enchantement. By the power of enchantment. Sois délivré maintenant. Hein. Sois délivré maintenant. Dis au nom de Jésus que toute femme célibataire dans cette salle, à cause d'enchantement, à cause d'ensorcellement, à cause d'un envoûtement, soit délivrée. Que ses ennemis soient dans la confusion. Que les hommes pervers et méchants qui l'ont maudite voient la voix et soient dans la confusion. Dans la confusion. Dis Seigneur. C'est là. Nous amenons à l'existence dans sa vie. Tout ce que le méchant ne voulait pas voir. Oh, that the wicked man wanted to not want to see. Lève ta main droite. Roll your right hand. Dis Père. Say, Father. Nous ramenons le cœur des enfants à leurs parents. You remain the children to the father. Nous délivrons tous les enfants qui ont été envoûtés. Pour abandonner leurs parents. Nous les délivrons. Et nous commandons qu'ils aillent chercher leurs parents. And you command to go see their parents. Prions là. La prière.
Korobaraka bakazaka saba. Korobaraka bakasaba kasikaba. Korobaraka bakaraka rabasa. Korobaraka baraka saba kasa. Korobaraka saba rakasa garabaka. Korobaraka saba raka. Korobaraka saba rakaba. Korobaraka saba rakasaba. Korobaraka saba rakasaba. Korobaraka saba rakashigaraba. Korobaraka laba kalaba kashiraba. Korobaraka laba kalaba. Assieds-toi et garde silence. Sit down and keep silence. Le Saint-Esprit fait son travail. The Holy Spirit is working. Il travaille dans cette salle, il travaille au village, il travaille dans les eaux, dans les eaux. He's working in waters, he's working on earth. Il travaille sur la terre et sous la terre. He works on earth under earth. Que les baobabs tombent. Les baobabs should fall down. Que les baobabs tombent au nom de Jésus-Christ. Should the baobab fall in the name of Jesus Christ? Que les racines soient coupées. That your roots should be cut. Que les racines soient coupées. Its roots should be cut. Que les racines soient coupées. Its roots should be cut. Que toutes racines soient coupées. That any root should be cut. Que toute racine soit taillée en pièces. That any root should be broken. Que les racines soient taillées en pièces. That any root should be broken. Que les racines soient taillées en pièces. Should be broken. Que les baobabs tombent. That so that the baobabs tombent. Que les 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 baobabs tombent. Baba tombe. Baba fada. Tala bashar ga bagala ga shar ga la ba shar ga la ba. Shar ga baga shur ga ba. Ga shar ga la ba shar ga baga shur ga la ga shar ga baga. Shar ga baga shur ga la ga ba shar ga la ga ba shar ga la ga ba. Shar ga baga shar ga baga. Quel baba tombe. Baba fada. Quelle racine sont taillée en pièces. That the roots should be cut down. Les racines, les racines. The roots, the roots. Les racines. The roots. Les racines. The roots.
Qu'aucune racine ne reste. Que tout ce que Dieu n'a pas planté soit déraciné. 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 Qui est le repos dans la maison du Père. Que le feu aille même sous les grottes. Qu'il n'y ait aucun repos, aucune paix pour les méchants. Point de paix pour les méchants. Point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Dans les forteresses. Dans les forteresses. Dans les entrées de la terre. Partout. Everywhere. Où l'ennemi s'est caché. Que le jugement de Dieu te déloge. Que le jugement de Dieu te déloge. Je disperse ceux qui sont associés. Que chacun prenne sa voie pour sa anyone to take his way to go pas de renfort. No help. Pas de renfort. No help. Pas d'association. No association. Je disperse au nom de Jésus-Christ. I disperse in the name of Jesus Christ. Et je t'ordonne. And I ordain. De t'en aller. To go. Au nom de Jésus-Christ, je ramène à la vie tout âme enfermée dans le séjour des morts. Je t'arrache d'entre les mains des ennemis. Je brise les chaînes. Je te libère. And I set you free. Je te libère. I set you free. Je brise tes chaînes. I break chains. Je te libère. And I set you free. Je te libère. I set you free. Je brise tes chaînes. I break chains. Je brise tes chaînes. I break chains. Je t'arrache. Dans les mains des adversaires. 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 Jésus est mort à la croix du calvaire. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Lève ta main droite. Your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise tout enfoutement. I pray any bewitchment. Pratiqué à partir de l'excision. Nous bannissons. You are nous brisons. You break it. Nous taillons en pièces. You
Nous libérons les captives. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement pratiqué à partir de la circoncision. Nous libérons les captives. Dieu, au nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement pratiqué à partir du cordon ombilical. Nous brisons ce lien. Nous libérons les captifs. Nous libérons les captifs. Commence à dire merci à Jésus. Ça fait que Jésus. Dis merci à Jésus. Thank Jesus. Dis, oh Jésus, tu libères. So, oh Jésus, tu libères. Oh, libère. Tu libères, tu libères. You set people free, you set people libères, free. Tu libères, you set people free, you set people free. Tu libères, you set people free. Tu guéris, you bless. Tu délivres, you deliver. Tu rachètes, you redeem. Tu affranchis, you set tu es le chemin, you are the way. Tu es la vérité, and you are the truth. Tu es la vie, and life. Tu es la vie, and life. Tu es la vie, and life. Tu es la vie, you are life. Garde le calme, keep silence. Garde le calme. Be silent, be calm. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus.